C'est Dark 79, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du DLC Suprématie qui est sorti sur PS4 sur Advanced Warfare. Et on va directement commencer sur cette map Parliament qui est une de mes maps préférées parce qu'il y a 4 maps dans le DLC, deux que je kiffe, deux que je kiffe moins bien. Et ça va être ma deuxième partie. Ça va être la deuxième partie sur ma deuxième partie sur Parliament simplement. Et encore la première, je l'ai même pas fait entière. J'ai fait la moitié de la game, j'ai rejoint une game donc. Voilà, mais j'ai compris un truc, c'est que cette map c'est pas très compliqué. Vous connaissez les deux axes, c'est bon, la map tu la connais, tu sais déjà comment faire des massacres quoi. Mais ça, apparemment, c'est peut-être vraiment même la map que je kiffe le plus avec Skyrise, enfin Skyrise maintenant, on va la renommer comme ça. Parce que Skyrise je l'aime bien, mais voilà, quand on fera la découverte tout à l'heure, je vous donnerai un peu ses avantages, ses inconvénients, mais elle change de Skyrise MW2. Bref, on va se concentrer sur Parliament, donc je vais vous faire. Voilà. Une vue de la minimap, donc voilà quand même. Elle est assez grande, elle est assez conséquente, je veux dire en taille, mais il y a vraiment moyen de trouver les bons déplacements et de faire des gros carnages à condition vraiment de rester dans les spawns ennemis et de pas se faire prendre. Voilà. Bon, m'en voulez pas pour les shoots, allez, gens. Ça fait 5 jours que je n'ai pas joué à W. Pas de problème, donc, Edor. Donc, vous l'entendez pas, mais je sais que. Je suis avec tout le monde. Hein. Okay. Ouais, y a tout le monde dans l'accueil, hein, donc tous ceux qui étaient là hier. Ils sont tous là, mais vous les entendez pas comme je fais pas une vidéo à plusieurs, que je suis tout seul sur le DLC. Donc cette map, franchement, je l'aime bien. Il y a vraiment moyen de faire des gros carnages, comme je l'ai dit, à condition de bien connaître les respawns et à condition de bien gérer les couloirs. Donc ici, vous pouvez voir qu'on est dans des longs couloirs. Et évidemment, les tirs à longue distance vont être très utiles. Hein, donc les AR, les tirs à longue distance, les armes à longue distance. Va être très utile, donc les AR, la balle 27, la K12, la Steelbit, enfin la RX quoi, toutes des armes comme ça, mais aussi les snipers peuvent faire leur taf, même s'il y a vraiment moyen en fait de se faire contourner aussi, parce que vous pouvez voir que c'est mon couloir, il y a plusieurs entrées différentes, donc si vous n'arrivez pas à bien gérer toutes les entrées à la fois, bah, vous êtes mort. Mais je crois que cette map en team, elle peut, si vous êtes avec une bonne team, des bons coéquipiers, vous pouvez faire des bons massacres. Vous pouvez voir que malgré que ça fait 5-6 jours que j'ai plus joué à W, j'arrive encore à m'en sortir et j'ai pas fait de game contre des bots ni rien, j'ai directement été en ligne. Donc vous pouvez voir que je m'en sors quand même plutôt bien sur une map qui est ma foi très grande. Donc ça passe encore crème. Putain. Oh putain. Ok. Vous pouvez voir que j'ai ma magnifique tenue mauve. Hein. Je suis vraiment pas captant pour les ennemis, ils me voient à 4 km. Ok. Très bien voulu dash. Alors, il y a aussi une autre technique pour cette map pour gérer, je l'ai vu sur la chaîne de Monsieur de V12. Ah, c'est là où il est lui. Vous mettez ici, voilà, vous restez dans ce couloir. Et vous avez juste à faire des gauches droites, comme il dit lui-même. Hop, regardez de ce côté-là. Voilà, regardez de ce côté-ci. Vraiment faire des gauches droites. Yeah, je sais pas si on peut vraiment appeler ça autrement. Vraiment faire des allers-retours entre ce couloir, dans ce couloir, tout simplement. Et c'est assez simple de gérer les spawns de ce côté-là. Mais attention, si ça spawn des deux côtés, vous allez vous faire franchement déborder. Et vous aurez aucune chance de continuer votre série. Bon, ok. Là, par contre, là-bas à droite, je tiens à vous le dire, là où. D'accord, salaud, chalot, au bout du portage. Je sais même pas si c'est un portage, un bateau, je crois que c'est un bateau. Ok, c'est un bateau, on est en plein milieu d'une ville, à porte-avions, je dirais un peu de la merde. Donc, de l'autre côté de la map, là où je voulais vous dire un truc, mais que je suis mort, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui sont là. C'est vraiment un spawn, oui, mais ok. C'est un des spawns, il n'y a pas souvent des ennemis du côté de ce côté-là. Enfin, c'est ici, il n'y en a pas vraiment beaucoup. On peut monter sur un méga top, c'est celui-ci. Mais c'est pas parce que on peut monter sur ce top gigantesque, énorme. Ok, je vais pas changer d'arme. Que vous allez pouvoir faire des massacres, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui se pointent de ce côté-là. Donc vraiment, le centre de la map, c'est vraiment ici. Donc là, il y a les deux couloirs, comme je vous ai dit. Et là il y a le couloir plutôt que vous mettez au top, comme Monsieur le V12. Et les longs couloirs où j'étais en début de partie, où je m'amusais à enchaîner les ennemis là. C'était plutôt pratique. Franchement, c'est les deux seuls endroits que je trouve qu'il y a d'intéressant. Alors je vais déjà vous parler du montage des vidéos pour le DLC Suprématie. Je tiens à le dire qu'il n'y aura pas mon intro, mon outro et tout ça. J'upload directement les vidéos depuis la console parce que si je dois faire le montage de 4 vidéos plus upload et tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc je mets juste... le gameplay comme ça, sans mon intro, sans mon outro, de toute façon c'est pas très grave, il y aura juste la miniature qui sera faite. Ok, qu'est-ce qu'il y a pété? Est-ce que c'était... Je peux pas les péter ça. Ok, on dirait des cuves chimiques, en fait c'est des lampes. Après qu'on peut les péter, écoutez, moi bon, je découvre. Hein. Ok,
C'est quoi toutes ces vagues là? Hop, elles sont énormes et mouillées ces vagues. Ok. Oh, ok, bullshit. Mia bullshit, man. Enfin, quoi que j'étais one, donc le type a raison de m'achever, on va dire. Et on va qu'il... Oh putain. Moi qui disais que j'avais encore un shoot pas trop pourri, j'aurais dû faire ma gueule, le type. Quoi? Ok, je dois mettre beaucoup de balles. Je sais pas si vous en rendez compte de ce que je dois mettre. Mais c'est énorme. Et hop, on descend. Ça doit... Je sais pas si vous en rendez compte, hein, mais le nombre de balles que j'ai dû mettre au type et qu'il est pas mort, sur le coup, c'était énorme. Vas-y. Au revoir. Oh, putain. Vous avez vu? Vous avez vu les types qui sont en train de faire ce que je vous dis? Ils nous bloquent. Là, en fait, on est un peu bloqué. Donc, je vais me barrer par le south. Je vais me barrer par le souterrain. Si j'ai pas envie de me faire baiser de ce côté-là. Donc, au passage, je vais faire toutes les games en MME. Simplement parce qu'on n'a pas le choix. C'est MME ou Mosh Pit. Et dans le Mosh Pit, j'ai pas envie de me taper de la R&D parce qu'il y en a. Putain, mais sérieux. J'ai pas envie de me taper de la R&D parce qu'il y en a. Mais voilà, donc je vais tout simplement faire de la MME. Donc on perd la game 69-100. Bien joué. Félicitations. Je me félicite. Je félicite mes alliés. Donc il nous reste 3 maps à découvrir. Il nous reste Compound, Kremlin et Skyrise. J'ai oublié leur nom. Ça va, Parliament. Sérieusement, Parliament, vous pouvez voir que c'est vraiment une map que j'adore. On est 4 mètres prestige dans l'accueil. On se fait bien défoncer. On était tous ensemble. On se fait enculer. Littéralement. Donc Parliament, c'est vraiment une map que je kiffe. Vous l'avez bien vu. Sinon, j'aurais critiqué la map. Je vais me parler de l'accueil. C'est pas grave. Il y a moyen de faire des bonnes choses dedans. À condition de bien gérer les spawns et pas se faire contourner. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur la map. Hein. Il nous en reste 3 à découvrir à part ça, c'est tout. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez checker la chaîne des potos, ça leur fera toujours plaisir. On se retrouve après pour les 3 autres maps à découvrir. C'était Zarko, je vous dis à la prochaine. Bye 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 bye.